Wally, salut les bilous de Cézven, et aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de Jurassic Craft. Donc désolé, j'ai oublié de retirer la petite croix au milieu, mais bon, c'est pas trop grave. J'ai préparé le craft que j'ai besoin pour aujourd'hui, donc ça va être assez sympathique. J'ai planté les Very du Nether, et on va aller faire un petit épisode Nether puisque j'en ai besoin. Attendez, hop, on mange un tout petit peu. J'ai préparé tout mon stuff. Donc là, on va faire tout de suite les crafts que j'ai besoin. Alors, on va avoir besoin de soul sand, de hack sapling et de la wood. Enfin, du wood sapling. Du oak wood, pardon. Pareil pour le spruce, donc le sapin. Voilà. Donc, on crée des nouvelles pousses, nouveaux types de pousses, donc qui sont rajoutées avec le mode island, si je dis pas de bêtises. Donc, en gros. Ça va, on peut faire pousser des arbres directement comme ça en faisant cette petite opération. Le problème, c'est qu'il va falloir énormément de soul sand, voilà. Et avec ces quatre choses, nous allons dire, on va faire un. Oula, pourquoi il marche pas? Je veux un iron. Un iron bazar. Alors il faut le birch, le biche, redwood sapling et le great. Birch, redwood, ah, great, canopy tree. Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai pas les bons crafts. Non! Je venais de les préparer en plus. Tac tac tac, on va faire ça. Ah, je me suis planté. Ah non, il faut le fire. Oh là là, faut encore refaire un truc. Alors, il me faut de la soul sand. D'ailleurs, j'en ai plus. Donc, ah ouais, tous mes items, on va le retirer. Je vais aller vite fait dans le Nether pour chercher la soul sand. Et donc, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je voulais faire. En fait, le problème, c'est que comme j'ai rajouté Island, c'est vrai que c'est joli niveau biome. Mais si on part dans le mode Paléocraft, le truc, c'est que nous n'aurons plus. L'utilité de. Bonjour messieurs! Waouh, j'ai lagué. Nous n'aurons plus l'utilité de. Hop, toi, je t'éclaire. Du mode Island en fait. Et moi, c'était vraiment ce qui me plaisait avec le mode Coral. Corail. Bonjour monsieur! Oh. Et donc, on va rester plutôt dans le monde normal. Je créerai une porte dans la maison qu'on aura. Hop. Attendez, là, je suis concentré à tirer. Je suis pas très bon à l'arc en général. Merci. Il m'a droppé. Ah, super, il m'a droppé les trucs. Oh là, il y a encore du gravier qui vole. Moi, j'y vais pas. Le gravier qui vole, vous comprenez pourquoi. J'y vais pas. Donc, je disais que, en fait, je voulais fabriquer un iron. Un arbre iron. Enfin. C'est très clair, hein, ça. Ah bah mince, il a des pop le wizard. Vous avez bien vu un wizard comme moi là-bas. Et aussi, dernière précision, je suis sur le launcher 1.6 avec la 1.5.2 de Jurassic Craft. Et là, au-dessus. Et le truc, c'est que on va avoir un petit souci puisque à chaque fois, les waypoints se déchargent. J'ai beau faire ce que je veux, les waypoints ne restent pas en place, donc c'est problématique, c'est problématique. Et donc là, je cherche absolument de la soul sand. J'ai aussi des petites bricoles à faire au niveau de mon arc, puisqu'on va devoir améliorer l'arc. Oh là là. On va prendre aussi du quartz pour dire de faire des trucs. On va pouvoir faire des trucs jolis. En fait, le problème, c'est que comme je voulais faire le truc dans Paleocraft, Island, comme il servait pas, ça me gênait un peu. Et donc, on va rester dans le vrai monde. Paleocraft, il va nous être utile pour récupérer les dinos qui sont à l'intérieur, qui sont très jolis. Est très bien fait, le son il est super joli et tout, donc normalement les œufs on peut les récupérer en leur donnant à manger, en les apprivoisant si je dis pas de bêtises. Le problème c'est que comme il n'est pas compatible avec le mode fossile, il va falloir que je me donne les œufs, donc au pire je jetterai un diamant par œuf ou un truc dans ce style là, donc à vous de me dire.
Je vais faire encore des séances de minage de mon côté. Et je cherche toujours la soul. Soul sand, s'il vous plaît. Il y en a là-bas. Il n'y en a pas plus près? Oups. Aïe. J'ai l'impression de laguer. Mais bon. Ça doit être dû aussi au programme. À chaque fois, je vous fais le coup. Mais quand on regarde le rendu de la vidéo, c'est très bon. C'est moi qui lag. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai rien lancé hormis. Hormis ce que nous faisons actuellement. Donc, ceci est assez problématique. Ouais, on est déjà venu ici, donc la maison est pas trop loin. Je vais essayer de trouver de la soul sand et on se retrouve pour faire le craft de l'iron arbre. L'arbre de fer, si vous préférez, car il est assez joli et j'ai envie de le faire au moins une fois dans la série. Je sais pas s'il pop naturellement à l'aide du démode, enfin du mode de Island, donc ça j'ai un petit doute. Mais sinon après, on va se débrouiller avec ce qu'on a et puis on verra par la suite. Allez, à tout de suite. Bon, bah, je me suis aperçu que je parlais comme un débile devant mon micro sans avoir allumé le programme pour enregistrer. Donc, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé le craft que je voulais. J'ai fait mon iron sapling. Voilà. Je suis parti pour faire un iron bow. Le problème, c'est que je n'ai pas de cordes, enfin de ficelle. Pas logique puisque j'étais sûr d'en avoir eu, donc je vais devoir aller tuer de l'araignée et également autre chose. Bon, je vais vous montrer ce que j'avais expliqué dans la voilà. Donc je m'en suis retrouvé ici en fait, qui était ma partie créative en fait pour tester tout ce qu'il fallait. Allez, waouh, ils ont trop la classe. Ça, c'est par exemple encore un autre dino rajouté par Paléocraft dans la dimension qu'on a été explorer et qu'on avait vu que les deux qui s'appelle, je pense, les Dremosaurus, le Kiptipati et le Dimorphodon. Donc c'est assez sympathique. C'est des usines comme ça qui sont un peu partout, mais moi j'en ai toujours pas trouvé en survie, donc bon, j'aimerais bien m'installer pas loin de ce genre d'usine, puisqu'il y a des trucs assez intéressants, il y a pas mal de tables d'enchant, il y en a 4. Bon. Pas le plus utile, vous savez, va, enfin 4 tables d'enchant, c'est pas très utile, mais bon, en avoir une sur soi, puis après une à la maison, plus une ici, c'est sympa. Il y a toujours des blocs, enfin, je veux dire, c'est assez beau designé, quoi. Il y aura juste à réparer, forcément, là, regardez ici, il faudra réparer. Ça pourrait être très sympa de s'installer. Et les iron saplings qui donnent des gros arbres comme ça, bon, là, je l'avais essayé pour voir si ça s'encastrait dans le mur, ce qui est le cas. J'ai fait quelques tests, et donc. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire avec l'iron sapling. Et de faire. Donc là, on a une mailbox. Enfin, ça, c'est rajouté avec le mode Mr. Cryfish Furnitures Mode. Pareil pour les trucs de gravier. Ici, on pourra en avoir en dessous. On montrait ici pour. Ça serait vraiment la maison que j'aimerais bien faire. Hein. Avec du tapis. Tapis qui est aussi rajouté par le même mode. Donc il y a beaucoup moins de couleurs que dans la 1.6, mais c'est pas trop grave encore. On monte, on monte, on monte. Ici, on a ce qu'il faut. Là, normalement, il y a une enclume. Je ne sais pas pourquoi elle est partie, mais c'est pas grave. L'enclume ici. Avec de quoi dormir. Et un petit coin assez sympathique. Et ce qui pourrait donner aussi sur ce genre de bâtiment. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai l'intention de faire. Tout en essayant de trouver un biome assez sympa dans le mode Island. Donc, toujours. Toujours dans le vrai monde. Avec, pourquoi pas, au lieu de. Attendez, je vais retourner vite fait. Voilà, pourquoi pas au lieu de mettre ça ici, on pourrait faire carrément le portail vers le Paléocraft ici. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc on se retrouve dès que j'ai ce qu'il faut au niveau de la ficelle. Aïe, j'ai réussi à enchanter mon Crystal Ball, je l'ai enchanté niveau 1, donc j'ai réussi à avoir Power 1, donc c'est pas trop mal. Peut-être qu'à l'aide de livres, je vais pouvoir m'éclater avec faire des power, enfin un power 2, pardon pour le micro, un power 2 plus un power 3 plus un power 4 plus. Allez, peut-être jusqu'à power 5, sauf si j'en trouve un dans le donjon, ça peut être très bien. C'est vrai que niveau livre, on peut se débrouiller avec assez rapidement. Donc si je trouve un donjon et tout. D'ailleurs, je vais retourner au niveau de. Attendez, je dois juste aller chercher. Wow. Du fer. J'ai besoin d'un
fer qui est dans le light blue. C'est un peu problématique avec tous ces backpacks, c'est qu'on voit pas tout. Alors que moi je préfère les comment dire, les coffres, voilà. Mais backpack c'est beaucoup mieux pour voyager quoi, franchement, parce que faire des allers-retours c'est pas possible. Et je veux juste, j'ai mes steaks, j'ai ça qui se range là, tac. Je me suis refait des flèches. Et je veux juste retourner au niveau de là où je croyais qu'il y avait le spawner, enfin le parce que j'ai regardé ma vidéo de l'épisode 4, mais je me suis aperçu que j'ai pas vraiment à creuser au bon endroit, donc c'est juste en face si je dis pas de conneries. Voilà. J'ai pas creusé du tout au bon endroit, c'était un peu plus décalé, je sais pas si. Aïe. Si vous voyez tout. Ils sont vraiment bien les arbres générés par ce mode. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et on va les voir un petit peu mieux. Parce que je pense que ça a pas dû trop changer normalement. Parce que regardez, on voit exactement les mêmes biomes. Après, je comprends pas que le donjon il y aurait pas. Donc je pense que c'est plus par ici en fait. J'ai bien l'impression que ça a vraiment rien eu en fait. Oh, je suis déçu, je sais même plus ce que j'avais eu dans le. Hop, je vais juste remonter s'il vous plaît. Dans le coffre, bon, c'est pas. Mais j'étais persuadé que c'était peut-être plus par ici. Maintenant, j'ai creusé aussi là. Non, bah non, il y a vraiment rien. Oh, je suis tout triste. Mais c'est pas grave. Donc on va faire ce que j'ai dit en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à miner de mon côté. Il y aura pas. Ce sera un épisode plus court aujourd'hui parce que je suis vraiment fatigué. J'ai une semaine de boulot assez chargée. Je m'en excuse par avance. C'est pour dire de pas vous faire un épisode trop long puisque j'ai pas trop le courage de faire des trucs là aujourd'hui. Mais bon, on aurait un petit peu de fight au tout début dans le Nether. Je vais essayer d'avoir des œufs enfin des œufs de chaque espèce dans Paléocraft. Je vais essayer de construire un hélicoptère pour le prochain épisode. Je vais aller miner et il n'y en aura pas d'épisode mercredi parce que j'ai pas le temps du tout en fait ça. Pendant 2 semaines là, j'aurai que des épisodes le week-end. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Ah voilà une araignée, je vais pouvoir avoir. Ah bah on va tester tout de suite mon arc. Il tire beaucoup plus vite que les arcs normaux, donc on va pas se plaindre. Et puis bah moi j'espère que ce plus petit épisode, enfin cet épisode plus court. Vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7 de Jurassic Craft, c'est ça, ce coup-ci je me suis pas paumé. Et puis en attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder mon nouveau let's play sur Lego.